Salut. Vous savez, Sonic a tout essayé pour diversifier sa licence. C'est comme ça qu'on a eu des jeux de course, de combat ou des jeux éducatifs. Certains de ces jeux pouvaient être bien, mais bon, d'une manière générale, voilà. Il arrivait aussi que l'on mette en avant des personnages complètement secondaires, voire nouveaux. Et c'est comme ça qu'on a eu des jeux comme Knuckles et Alex, et même les Sonic Adventures et Heroes rentrent un peu dans ce moule, vu que on parle de jeux qui mettent les personnages secondaires au même niveau que Sonic. Donc c'est un peu du même ressort. Et c'est un de ces jeux qu'on va s'attaquer. Un jeu détesté par beaucoup, certains le détestent plus encore que Sonic the Hedgehog 2006. Ouais, c'est à ce point. Shadow the Hedgehog. De toute façon, vous le savez déjà en cliquant sur la vidéo. Donc, ne perdons pas vraiment plus de temps et attaquons-nous tout de suite au très mauvais Shadow the Hedgehog. Et oui, c'est bien un flingue que vous voyez en salon. Regardez-moi ça. PEGI 12. Vous en connaissez beaucoup, vous, des jeux Sonic PEGI 12? Donc, le jeu commence par une intro se mettant dans l'ambiance au cas où le bruitage de sélection ne l'avait pas déjà fait. Eh ben, c'est violent les menus, hein. L'intro, quant à elle, est superbement animée, même si tu sens des fois que les développeurs n'y connaissent pas grand-chose en armes à feu. Je veux dire, est-ce que Shadow vient de charger à la façon d'un fusil à pompe, un fusil mitrailleur dans lequel il venait d'insérer un chargeur? Bon, sinon, dans cette intro, on fait bien comprendre que le ton du jeu sera légèrement différent du ton d'un Sonic normal. Pour résumer, l'intro, ça fait... Explosion! Boum, le laser! Boum! Qui crache de feu, laser! La voiture, le bouton, le trou boule! Yep! C'est à se demander si l'intro n'était pas juste là pour apparaître dans le trailer. Bon, assez de temps passé sur l'intro, et commençons que le jeu est... Bon, enfin bref, fuck it, hein. Le jeu commence, et avant même la première seconde de la première cinématique, on remarque déjà le point le plus important et probablement le plus controversé du jeu avec l'utilisation des armes à feu. Le jeu possède des fins multiples. 10 fins possibles. L'idée est intéressante, mais là où ça pêche, c'est que quand tu atteins les 10 fins, tu arrives au vrai boss final, et donc à la seule fin canonique. Donc, les 10 autres fins que tu t'es tapé avant... Ouais, inutile. Enfin bon, inutile, je n'irai peut-être pas jusque là, hein. Et je comprends bien pourquoi ils ont installé une fin canonique. Faut bien que la fin du jeu soit cohérente pour les futurs Sonic. Du coup, je dirais bien que les 10 autres fins ne servent à rien, mais honnêtement, je trouve ça agréable d'avoir une conclusion après avoir joué au jeu pendant toute la journée. Oui, j'ai eu ma première fin en une journée. Oui, je suis fou. Et comment on obtient les différentes fins? En choisissant des dés. Les gentils, comme Sonic et ses potes, les méchants comme Eggman ou Black Doom, ou en se la jouant solo en se contentant d'aller à la fin du niveau. Ainsi, selon vos choix, devenez un héros, un vire, un méchant ou un anti-héros qui bosse en solo. Bon, maintenant que l'on a écarté le problème des différentes fins, voyons un peu plus le genre lui-même et commençons par le commencement. Le jeu commence par Shadow essayant de se souvenir de son passé car il a été établi dans Heroes que Shadow ne se rappelait plus de rien. Du coup, pourquoi personne ne lui a expliqué ce qui s'est passé dans Sonic Adventure 2? Bon, un problème à la fois, c'est déjà un miracle qu'il s'en soit sorti après avoir fait une chute depuis l'espace. Après, les autres ne lui disent rien,
peut-être parce qu'ils ignorent s'il s'agit du Shadow original ou d'un robot. Et attention, spoiler, non, Shadow n'est pas un robot, mais bien celui de Adventure 2. C'est Eggman qui lui dit ça alors qu'il affronte le boss de fin. Je trouve malgré tout intelligent le fait d'utiliser la perte de mémoire de Shadow pour laisser 10 possibilités sur sa vraie identité. Dommage que ce soit ruiné dès les premières secondes du jeu. On y vient. Bref. Alors que l'événement de la Black Comet se rapprochant de la Terre est en préparation, Shadow essaie de se souvenir de son passé, mais la seule chose qui lui revient, c'est... ça. Maria! Ok. Ça commence bien, décidément. Mais alors que Shadow observe la ville, un mal étrange semble s'approcher de celle-ci. Celle-ci se fait attaquer par des aliens qui semblent sortir d'une espèce de portail dans le ciel. Ça me rappelle un truc, mais bon. Et puisqu'on parle d'aliens, ça en a choqué plus d'un de voir des aliens dans un jeu Sonic. À cela, je dis pourquoi ? Pour ce que j'en sais, Sonic et compagnie ne viennent pas de la Terre. Bon, en tout cas dans Sonic X. Et comme ils ont remplacé tous les doubleurs des précédents jeux par ceux de Sonic X après la mort de l'acteur qui avait interprété Eggman, on va dire que ça compte. De toute façon, Shadow a une super voix dans ce jeu, hein. Je vais pas me plaindre du doublage. À quelques exceptions près. Hector ! Retour au jeu. Shadow reçoit une communication du chef des aliens, qui fait très classe, j'ajouterai. Et c'est curieux, mais son système de communication couplé avec sa voix grave et flippante me rappelle encore quelque chose. Enfin bon, toujours est-il que Black Doom, sacré nom, demande à Shadow de lui apporter les 7 émeraudes du chaos comme promis. Ce à quoi Shadow répond. Mais Black Doom l'ignore et c'est là que Shadow part pour retrouver les Chaos Emeralds et éventuellement une putain de réponse à ce bordel incompréhensible. On commence enfin et le premier niveau commence donc par... Oh mon dieu, cette chute libre en attrapant des richesses et cette ville se faisant attaquer avec un ciel rouge. Ça me rappelle quelque chose. Et ce niveau où Shadow rentre à l'intérieur des serveurs informatiques, ça me rappelle aussi... Bon, vous savez quoi, histoire d'en finir avec toutes les images qui me viennent en tête, je fais un montage de tout ça et comme ça on peut continuer. Bientôt dans les salles, le crossover ultime! Maria! Do not think I won't kill you. It would be my pleasure. Ça, c'est fait. Retour au jeu. Comme je ne tiens pas à faire une vidéo de 40 minutes, je vais parler d'un des chemins que j'ai déjà choisi, me permettant ainsi de parler d'un nombre standard de niveaux et éventuellement de ne pas vous spoiler plus d'une fin. On prend donc la seconde fin que j'ai faite, à savoir une fin mauvaise. Mais peu importe la fin, peu importe vos choix, tout commence au même niveau, Westopolis. Dans ce niveau, on a déjà un large aperçu de ce que sera le jeu.
On commence par trois vaisseaux qui nous demandent de vaincre un certain nombre d'ennemis. Vous l'aidez naturellement en prenant garde à ne pas frapper les soldats de Gunn, tout en essayant d'esquiver leurs propres tirs. Tu m'étonnes après que tu te retournes contre eux. Et puis après quelques mètres, vous tombez sur l'œil de... l'œil de Black Doom. Et ce dernier vous dit de tuer les soldats. Voilà. Si vous n'avez pas tué les soldats d'avant, ne vous énervez pas car contrairement aux missions Chaotix dans Heroes, dès que vous trouvez un checkpoint, vous pouvez vous y téléporter de n'importe quel autre checkpoint et ça c'est vraiment bien d'y avoir pensé. Merci les devs. De toute façon, peu importe le camp que vous choisissez, je vous recommande de tuer quelques ennemis pour ramasser vos armes. Tous les ennemis ou presque lâchent des armes. Même certains objets lâchent des armes comme les boîtes d'armes évidemment, ça va de soi, ou d'armes secrètes. Ou encore les poteaux. Non, je ne déconne pas. Les poteaux, comme les panneaux de circulation, une fois détruits, peuvent être utilisés comme une arme de corps à corps. De loin, hein, vu la taille. De toute façon, si vous essayez le vrai corps à corps à main nue, vous êtes mort. Oui, c'est ce genre de jeu. Le genre de jeu où les poings et les pieds n'ont aucune utilité à part casser des caisses. Vous pouvez aussi interagir avec certains éléments du décor, comme les bus ou les murs écroulés, pour les soulever avec votre super force. La classe! Sinon, comme je l'ai dit, je voulais faire une fin de méchant, mais je tenais à tout faire comme un méchant. J'ai donc tué la quasi-totalité des militaires présents dans la ville, et alors que j'arrivais juste devant le goal ring de fin, que je devais ignorer pour aller tuer les soldats à l'instant, comme les contrôles de ce jeu sont un poil glissants par moment, vu que Shadow ne court pas, il patine. Résultat, j'ai littéralement glissé vers l'anneau au lieu de passer mon chemin après avoir buté plus de 30 soldats sur 35. Bon, après une cinématique où on apprend que le général de Gunn a visiblement une dent contre Shadow, et une cinématique qui arrivera bien plus tard, mais pas dans cette histoire-là, nous montrera que ce type était pote avec la fameuse Maria, qui s'est fait tuer, et il rejette la faute sur Shadow. Parce que c'est clairement de sa faute. Vous savez quoi? À partir de maintenant, je ne parlerai que des cinématiques si c'est nécessaire. Bon, sinon, parlons du second niveau du nom de Leafy Canyon, sur lequel nous a téléporté Black Doom parce qu'on lui a désobéi. Là, on croise Knuckles qui nous demande sans surprise de tuer un certain nombre d'aliens. Là où Black Doom nous demande d'activer des espèces d'interrupteurs verts. Pourquoi? Parce que j'en sais. Une fois les aliens butés, parce que fuck you Black Doom, ça c'est pour m'avoir puni parce que j'ai glissé. C'est comme si mes parents m'engueulaient parce que je m'étais fait mal. J'ai des mauvais souvenirs qui me reviennent. Yeah, mais bon. Bon, une fois cette mission terminée, nous arrivons à Circus Park. Super accent. Un parc contrôlé par Eggman, attaqué par Gunn et visité par Tails, qui cherche à récupérer les rings volés par Eggman. Alors ici, ça change un peu des... comment dire? Ça change des autres niveaux, hein, niveau ambiance. On se croirait plus dans Sonic Heroes. J'ai voulu aider Tails jusqu'à ce que j'apprenne qu'il fallait récupérer 400 rings, et puis j'ai vu que c'était rapide de les ramasser. Et puis, oui encore, je suis tombé dans le vide. Le jeu a ramené mon personnage, mais pas mes rings. Je récupérais les rings, et je retombais encore, et encore. Au final, j'ai laissé tomber, et j'ai foncé vers l'anneau. Une fois ça de fait, Shadow rejoint la team Chaotix qui souhaite hacker les serveurs de Eggman et comment ils font ça? En informatisant Shadow et Espio. On entre alors dans Mad Matrix. Voilà, ça c'est fait. Ce niveau est certainement un des moins, si ce n'est pas le niveau le moins appréciable. Je n'ai pas encore joué à tous les niveaux, mais bon sang, qu'est-ce que ce niveau peut être chiant! Et si vous tentez de faire la mission de Black Doom, ce que j'ai fait pour ce segment, mon dieu que c'est chiant! En clair, Black Doom nous demande de toucher 30 bombes placées sur les circuits des serveurs pour les faire péter. Ok. Problème! Alors, non, je n'ai pas de problème avec l'informatisation des personnages ou même des explosifs aliens. Par contre, désolé de t'importuner Black Doom, je vais pas te dire quoi faire, mais je crois que j'ai une idée encore plus simple. Je vous jure qu'après avoir cherché la dernière bombe, à la seconde où je l'ai vue, c'était comme voir la lumière du grand Sonic Christ. Que dis-je, du grand Mario Christ. Niveau suivant. Enfin, après avoir vaincu le Egg Breaker, armé de multiples boules aussi faciles à éviter que les examens, et une réplique répétée en boucle... You know what they say, the more the merrier! Et bah le Egg Breaker, il porte bien son nom, hein.
Niveau suivant. L'Iron Jungle, ou jungle de fer, où on découvre qu'il existe une petite armée d'androïdes Shadow. Et là, la question se pose. Shadow est-il l'un d'entre eux? Je vous ai donné la réponse au début. Comme je tentais de rester un méchant, j'ai débarrassé la base d'Eggman de l'armée de Gun au lieu d'aider Omega à vaincre Eggman. Ce qui ne change rien en fait, que j'ai dû défoncer une deuxième fois le Eggbreaker en utilisant des mitrailleuses qui étaient hors champ. Et voilà. Après ça, Black Doom nous contacte pour qu'on le rejoigne sur sa fameuse Black Comet. Ici, nous devons, sans réelle surprise, vaincre tous les soldats de Gun qui ont dû, comme Shadow, utiliser un service de taxis spatiaux. Peut-être que le docteur Krigor passait, prend Remike et les a pris en stop. Je sais pas. Comme je voulais faire une fin de méchant, disais-je, je les ai tous tués et je vous avoue qu'à force d'avancer dans le vaisseau en croisant plus d'aliens que de soldats, ce qui m'a au moins permis de farmer des munitions laser, je me demandais si j'en avais pas raté un. Mais non. C'est bien, c'est que peu importe qui vous aidez, les deux camps vont vous tirer dessus, c'est ça qui est pratique. Même dans la base des méchants, quand vous aidez les méchants vous tirent dessus. Dès qu'ils vous croisent, peu importe, hein, même si vous avez pas tiré sur leurs alliés, ils vont vous tirer dessus. Et des fois, ils bougent pas. Mais ça, c'est quand on a de la chance. You know what they say, the more the merrier. Oh mon dieu, ça me revient. The merrier. Et une fois le dernier tué, on arrive à un boss que je n'ai pas réellement apprécié. Ou limite détesté. C'est au choix. Sonic and Diablon. Aurait dû s'appeler Diablon featuring Sonic. Vous vous souvenez quand j'ai fait appel à Kiba Reigns ASMR pour faire la voix de Rouge dans ma dernière vidéo sur Sonic Adventure? Le résultat était génial, mais ça ne restait qu'un petit morceau de la vidéo. Eh bien, ça restait plus que la participation de Sonic dans ce combat final contre le bien. Si vous restez immobile, Sonic vous donnera éventuellement un petit coup en sautant sur place. Là, et c'est tout. Voilà, c'est bon, Sonic est mort. Sinon, il vous suit comme si c'était votre associé, alors que pas du tout. Ce qui peut éventuellement vous induire en erreur, mais voilà. Niveau danger, on est assez bas. Toujours est-il qu'après ce combat, une fois que la machine ait reçu plus de 75... 370e milliard 4e fois 10 fois 468.072, ta mère ! De coup, on a le droit à la fin où Shadow explique qu'il choisit le camp des méchants parce qu'il a été créé pour ça et trahit ainsi tous ses amis pour bosser avec Black Doom. Fin. Bon bah voilà, alors avant qu'on s'arrête, on va vite fait s'attarder sur le mode de joueur, hein. C'est pas très long, vous verrez, hein. 3 arènes et 6 persos, dont 4 qui ont des armes de base, donc voilà, rien. Hein. Par contre, il me faut juste un deuxième joueur. Dark Phoenix, ça va? Ouais, ça va et toi? C'est pour ce carton. Nous avons ici un jeu qui nécessite un deuxième joueur. Veux-tu bien te joindre à nous? Bah oui, allez, c'est parti. Eh bien, commençons. Et voilà, on est donc parti pour Shadow's Edge en compagnie de Dark Phoenix. On va se faire le mode de joueur, ce sera pas très long. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va faire la version complète, si je puis dire. Alors, on choisit un personnage. Moi, je vais prendre le... Oh, je pense que je vais prendre le orange. Et moi je dis bonjour aussi. Je suis plus envers de prendre le rouge. Non, t'inquiète, moi c'est celui que j'avais pris la première fois. Je crois. Voilà, alors on se fait le jeu en 3 étapes, du coup on va montrer les 3 arènes. Ça c'est moi. Ça c'est toi. Bon, c'est bien, il y en a un qui dit tu me ressembles mais je sais que tu es un faux. Et l'autre il répond, on va voir lequel de deux est faux. Le truc c'est qu'on est tous deux faux. Voilà, alors ça c'est le spin dash. Oh putain. Alors, c'est bien, c'est que là, on a choisi des personnages qui ont des armes de base. Donc, quand on appuie sur B, on tire. Voilà, et on a des. Et on B, a des... C'est quoi B? B, c'est. Ça, voilà. A pour sauter. Si tu appuies sur A pendant que tu es en l'air, et bah, tu peux. Voilà, tu peux faire le homing attack. Ça permet de verrouiller ton adversaire. Allez, le truc, c'est que comme on a des armes, on peut pas ramasser les autres armes du jeu. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, quoi, t'en fais quoi là? On doit se buter. On doit se trouver, se buter. Tu trouves pas, Geek for the... Oh, où es-tu mon enfant? Où es-tu?
Non, c'est vers le côté. Ah ah! Non, c'est j'ai oublié. Oh, et n'oublie pas quand t'as plus d'anneaux, si jamais tu si jamais t'as perdu tous tes anneaux et que tu te prends un coup, bah t'es mort. Le seul problème, c'est que j'ai très rapide. Je te vois. Allez, mais fonce. Allez, ramasse les anneaux. Là, je te fais les homing attacks, voilà, et si t'as plus d'anneaux, t'es mort. Allez, hop. Regarde. Oh mon dieu, c'est quoi ce mal? What? Oh non. Merci, Light. Il a pu par votre ennemi. Ouais, c'est un alien. Il a lâché une épée. Je me tire. Ne me demande pas pourquoi je suis parti sans mentir, là, t'es mort. Et ils ont dit mort. Putain, mais en fait, c'est dur la caméra, tu sais, le Justin Bone. Traduction, ils viennent demander, est-ce que t'es prêt à admettre que t'es un abruti, en fait. Alors, dans cette... Fais quoi? À tes souhaits. À tes souhaits. Il a dit, tu ne peux pas me battre. Fini de jouer, il est temps de finir, en gros, quoi. J'utilise la technique, hop, du light dash. Excusez-moi, monsieur le soldat, j'ai dû vous défoncer au passage. En fait, c'est que tant que t'as un anneau, c'est bon. Merde, il m'a vu. Je crois que c'est ici qu'il y a un certain truc. Attends, mais tu m'as doublé ou je rêve? Non, pas du tout. Ah, t'es parti en arrière, c'est ça? Je sais pas si c'est... Oh. Et là, je peux te doubler, là. Ah oui, d'accord, on a des armes différentes. Toi, t'as une espèce de flingue basique, je crois. Et moi, j'ai une espèce de bazooka, en fait. Merde. Je m'en fais. Je vais mourir. Oh, j'ai vu un mecha. Hein? Un mecha, c'est un truc dans une machine dans laquelle on peut monter. Ça a pas d'arme, mais ça te permet de sauter très haut ou de faire des trucs, d'être plus résistant aussi. Et je vais monter dedans. Comme ça, je serai plus résistant. Vu qu'il faudra d'abord détruire mon véhicule. Hop, voilà, je suis dedans. Regarde. Ah si, il y a des armes dedans. Oh, bah, je me casse alors. Une putain de mitraillette dedans. Ok, au revoir. Mais tu peux détruire mon véhicule, de toute façon, t'es obligé de détruire mon véhicule pour me détruire. Allez, viens te battre. Tu peux même pas me prouver. On a autant d'anneaux. Je suis plus bon. Et s'il y avait une carte au moins? J'avoue. Pourquoi s'il y avait une carte, ça serait facile de savoir où est-il, donc voilà. C'est galère de trouver. Pourquoi ça fait un peu un jeu de cache-cache? Achetez-le. Je mettrai un petit coucou au montage. Allez, mais viens. Non. Regarde, je suis plus lent que toi en plus. Ah bah. Ah, c'est con, hein. Bah, c'est voulu. Enfin, c'est voulu dans le sens où c'est. Où je savais, quoi. Allez, dans ce mecha-là ne sont pas aussi hauts que les mechas du jeu. Du jeu du mode histoire, quoi. Oh, j'ai reçu un coup là, et toi aussi. Ah, on tire partout. Je sais pas où tu es. Ah, c'est bon. Je te l'ai souri. J'ai souri les deux avant que tu les prennes. It's like I said, I am the ultimate life form. Voilà. C'est tel que je l'ai dit. Je suis la forme de vie ultime. En réalité, c'est le Shadow, la forme de vie ultime. Non, en fait, ma technique pour tuer, c'est que je tourne autour de toi et je tire à la fois. Bah, c'est beau, je suis. Allez, dernier niveau. You can never defeat me. Oui, vous l'avez déjà dit. Vous avez juste inversé vos dialogues. Allez, vous avez les anneaux, vite. Oh, je te prends les anneaux. Allez, où es-tu? Non. J'ai gagné, mon frère. Oh, le... Comment t'es mort? J'ai voulu faire une homing attack. Seulement, le problème, c'est que j'étais à côté du vide. Bon, bah, je pense que j'ai perdu. Voilà, j'ai réussi à battre Geek Forever. Je suis content. Voilà, bon, je propose un dernier truc. De toute façon, si je gagne, il y aura deux partout, donc c'est pas grave. On fait un truc, mais avec les shadows comme ça. Comme ça, on est obligé de ramasser nos armes. Et on le fait sur une seule arène. T'es prêt? Et on dit, celui qui a fait ça, il a tout gagné. Non! Non, désolé de te le dire, mais je crois que c'est toi qui es faux, mec. Ça va être intéressant de pouvoir changer son skin dans le jeu pour avoir le skin de ces personnages-là. Merde, le problème c'est que je loupe les anneaux en faisant ça. Wouah! Fais crever! Alors après, il y a aussi les boutons de combat comme ça, à la main nue.
Mais c'est pas très... Je me suis pris un robot. J'ai gagné. Il a gagné cette manche là. Oh le con. Genre, tu sais comment je commence à aller vers toi et la ping me prend un robot. Si tu veux, là vu qu'on a deux partout. Abruti. On va essayer de pas s'entretuer cette fois-ci. Parce qu'on a déjà failli s'entretuer dans plusieurs vidéos. Here we go, motherfucker. Here we go, motherfucker. Tac. Le light dash, je sais pas comment on a fait ça précisément. Hop. Où es-tu, mon enfant? Ah, je prends un pont. Oh, j'arrive, je glisse. Ah, bonjour, alien. Oh, un véhicule. Je prends. Un véhicule. Regarde, hop, je saute, je suis sur la lave. Oh, le pont. Faut trouver un alien, en fait. Non. À deux à l'heure. Ouais, je suis la forme de vie la plus rapide au monde. Viens, mon enfant, viens. Voilà, je... Viens dans le con. Allez, viens. Viens. De toute façon, t'es obligé d'essayer de me trouver. Bah, en fait, tu veux savoir ce que je cherche, là? Moi? Non. Un véhicule. Un véhicule. Où est-ce que tu trouves ton véhicule, toi? J'ai trouvé en tuant un alien. D'accord. Je vais tuer ton alien. On va venir. On est parti. Non. Je pourrais mettre ça en montage, si tu veux. En montage. Et voilà, j'ai gagné. C'est donc la fin de, ce mode de joueur. Alors, au final, ton avis sur le mode de joueur? Bah, c'est cool, en fait. C'est un peu violent, mais c'est bien quand même. C'est cool, mais surtout le vrai problème, c'est que ça manque de contenu en fait. Autant le nombre de personnages, je peux accepter, c'est pas un problème, je vois pas d'inconvénient. Par contre, plus d'arènes, peut-être ça aurait été plus intéressant. Ouais. Parce que ce jeu, c'est pas celui avec les niveaux les plus variés, mais il y a quand même pas mal de variétés. Donc on aurait pu avoir, je sais pas, genre un niveau sur la Black Comet ou ce genre de choses, enfin, ou sur l'Iron Jungle ou sur l'Impact Perdu. Enfin bref, ou même un niveau sur le passé de Shadow, parce que oui, il y a des niveaux en flashback. Mais sinon, pour ce que c'est, voilà, c'est un petit mode de joueur sympa, mais bon, on y reste pas bien longtemps, quoi. Même Sonic Heroes a mieux fait. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et merci, Eta Phoenix, pour ta participation. De rien. Voilà, c'est fini. T'as pas apprécié qu'il manque un truc? Genre quoi? Bah, je sais pas, je veux dire, on a fait une intro particulière et plus sombre que d'habitude. C'est une vidéo un peu plus travaillée que la majeure partie des vidéos de cette chaîne. Et là, ça se finit comme ça. C'est-à-dire, on a fini le jeu, on dit de s'abonner au jeu, on dit aux gens de s'abonner et c'est tout. Genre, il devrait pas y avoir, Ah, bah voilà! Alors, écoutons ce message. C'est les haters. Vous allez arrêter de dire du bien de ce jeu, c'est un jeu de merde. Alors, vous arrêtez votre vidéo ou sinon on vous bute. On vous attend dehors, ici, à cet endroit précis. Ok. Bon, bah je pense qu'on va encore devoir. Forever. Pourquoi encore? Le temps des mauvais jeux approche. Amène-moi le jeu, comme promis. Je t'attends dehors. C'est la première fois de ma vie que je vous vois et je ne vous dois rien. Ne te déçois pas, ou tu le paieras cher. Bon. Qu'est-ce qu'on fait du coup? No more graves, are you friend or fiend? No more life, no more death, somewhere in between. Je suis pas mécontent d'en avoir fini, mine de rien. Toi, t'as déjà eu ton tour. Peut-être dans une prochaine vidéo. Il manque pas de nunchuk sur cette manette. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et merci pour ta participation, la Félix. Tu pouvais dire quelque chose. Allez go, prise 2. Et bien voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous... Pourquoi j'ai rigolé? Allez, alors, prise 3. Et voilà, c'est... Coupé. Coupe pas vraiment. Voilà.
Mais que sa gueule. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était quoi ce doigt là? Allez, prise 4, 5, je sais plus. Et rigole pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous. Je vois pas, t'es curieux, ce petit con! Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et merci pour ta participation, Félix. C'était fait exprès, c'était pour rendre ça plus drôle. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, 4. Oh, est-ce qu'il y a un peu plus de